Donc je disais, tu pourras pas finir cette quête pour voir le client, faut être en poisson, je crois. Sérieusement? Ah oui, effectivement, puisque l'avocate est en bas. Effectivement. Bon, après, je peux toujours récupérer le truc et puis. Je peux avancer la quête, mais pas la finir. Après, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Bon, qu'est-ce que je fais là? Déjà, je vois qu'il y a une porte. Cette quête te tuera pas. Ok, nice. Donc, tu arrives voir la reine de PLJ pour passer poisson, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle veut pas me faire passer poisson tant que je n'ai pas fait sa quête à elle. Et je l'ai essayé et je me suis fait un peu buter, donc comment te dire? Je l'ai déjà ouverte cette quête ou pas? J'aimerais bien qu'en fait les icônes elles te disent si jamais ta quête elle est ouverte ou pas. Ah bah c'est lui qui me disait d'utiliser Foufou, ok. Je ne me souviens plus comment on fait pour aller là-haut. Ok. Plus reste de zombies. Qui peut la porter déjà? Kalten, Hendrik. Mais en fait, elle est pas ouf. Terrifiante qui aussi vraiment offre une certaine protection contre les maléfices et les attaques de ténèbres. D'accord, mais ça me fait un gros drop de défense en fait. Salut Akira, comment ça va? Bienvenue à toi. Après, il n'y a pas grand chose à faire dans le coin. Juste que je cherche cette dame qui... Qui aime collectionner des trucs bizarres du coup. Les objets tonitruants qu'elle disait. En forme de poulpe. Après, c'est pareil, est-ce que le musée il est pas atteignable uniquement en poisson? Parce que le truc avec l'avocate, bon, elle est en bas, donc ça c'est sûr, il faut être poisson. Mais est-ce que le musée il est accessible en étant en forme humaine? Je me souviens plus. Laolana, elle l'a dit. Oui. Tu finis tes quêtes? Ouais, j'essaie d'en faire quelques-unes parce que je suis un peu bas niveau pour battre le boss de fin. Encore que, comme je disais, j'ai un collègue qui l'a battu niveau 58, donc. Tu oses traiter mes bébés de poulpe? Je vais t'apprendre de bonnes manières, jeune homme. Et si ce conservateur aime les canons de mon défunt mari au point de vouloir en mettre un sur un piédestal, ce doit être un homme qui a la tête sur les épaules.
Oui, c'est de ça que je parlais. Ah, je croyais que tu parlais du truc avec le client, là. Parce qu'il y a l'avocate qui veut défendre son client, et puis il y avait le conservateur qui voulait un boulet de canon, du coup. Un canon Taparourou. Avec la tête sur les épaules. Ça. Pour le boss final, tu utilises l'astuce avec l'épée. Je pense que je vais l'utiliser. Oui. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a réussi à le battre au niveau 58. Mais moi, je suis niveau 53, 4, par là. 54, 53, 53, 53. Bon, du coup, est-ce que je fais le tortue, mais sinon ça va. C'est une tortue. Attends, je veux avoir la carte. Sur une île déserte loin à l'ouest pour le trouver. Et sinon, un ancien amour épistolaire, un troubadour d'Arbrea vous a demandé de chercher une deuxième partie d'une lettre très romantique qu'il a trouvée. Vous devriez tenter votre chance en inspectant les bibliothèques des maisons cossues de Gallopolis. Ça, ça a pas l'air très compliqué. Et en plus, gluant de métal, une mine d'or. Eh, vas-y, on va faire ça. Il a dit Gallopolis, hein. Et ça c'est easy, oui, puis bon, ça donne des trucs sur les gluants de métal. Bon, je suis pas sûr que ça soit aussi bien que ce que je me l'imagine, mais... J'ai déjà du tout volé. Après, je crois que c'était encore à l'époque où je lisais beaucoup les livres intégralement. Ah, on peut pas entrer ici. Peut-être qu'il y a des bibliothèques dans la dans l'église aussi. En fait, j'ai pas l'impression. Il y a des gens qui sont étendus par terre. Ah, ça parle du cacte amphibien. Ça parlait des dracabos aussi, mais bon, les dracabos, c'est pas ouf. Enfin, maintenant, c'est pas ouf. Par contre, les squelettes ou je sais pas quoi, là, je me souviens plus. Qu'est-ce que c'est comme, comme ennemi? La quête d'une maison cossue. Une maison cossue.
Pas une église. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais est-ce qu'une église, c'est pas un peu cossu? Est-ce que c'est pas la maison de Dieu? Ah! Fais-moi le malin. Gardien de l'étoile. En fait, je pense que maintenant qu'on a tous les éléments du scénario et compagnie, tu dois avoir vachement plus de choses qui prennent leur sens dans les livres. J'ai bien fait. Ouh, j'ai bien fait de venir. Toi, t'es bleu clair, donc tu me donnes pas de. Non, tu me donnes pas. Tiens, on va briser les pots avant. Un brin de Charmélia. Et une mini médaille. Le patron n'a pas tort pour le coup. C'est surtout que j'avais pas envie de ne pas avoir raison. 2000 pièces d'or. Waouh, la richesse. Un livre de recettes, tout dans la baguette. Des abracad... Oula, hein. Des abracadacanes, des abracadacoiffes et des tuniques retard anti-magie. Wow. Par contre, rien sur les épées anti-magie. Hein. Une graine de compétence. Quelle chance, Kalten trouve un livre de recettes intitulé Ma carrière de sorcière, mais je l'ai déjà lu. Tiens, au passage. Baguette de ping. Avec l'épée anti-magie. Oui, je suis sûr que c'est un truc à côté duquel je suis passé il y a longtemps. Est-ce que c'est cossu, ça? La porte est fermée depuis l'autre côté. Vous êtes sérieux? Cossu, ça. C'est cossu, ça. Je suis jamais rentré dans ce puits, je crois. Si? Non? Je crois pas. Un jour, peut-être une nuit, c'est ça. Bah non, du coup. Ah, dis donc. Ouais, une boule de feu. L'impression qu'il ne reste que genre le palais. On avait fait dans la nuit.
l'orbe noire. L'orbe d'Erwin. L'astre d'Erwin. D'un côté, est-ce qu'on peut faire plus cossu que le palais? D'accord que dans l'entrée il n'y a pas de bibliothèque. Attends, il y a une quête là? J'ai un service à te demander, je crois. Sans doute l'apparition de cet astre sombre et l'agressivité croissante des monstres mettent la résistance de nos courageux chevaliers à du désert à rude épreuve. Je ne sais pas si c'est un manque d'expérience ou de concentration, mais le fait est que la plupart de nos hommes ne sont pas à la hauteur. Cela ne présage rien de bon pour notre royaume. Comme tu le sais, je suis quelqu'un de pragmatique et j'aime trouver des solutions quand c'est possible. Imagine ma joie quand j'ai appris l'existence de baies qui augmentent la concentration au combat. Ces fruits miraculeux sont appelés des baies toniques. Elles poussent sur des arbres à tonus. Pourrais-tu aller m'en chercher quelques branches? Bien entendu, je te récompenserai comme il se doit. Il semblait que les bétoniques c'était extra cher, extra rare, non? Mais il m'en offrira 4. Je savais que je pouvais compter sur toi, mon vieil ami. J'aurais bien demandé à un de mes domestiques, mais les arbres à tonus poussent dans un lieu assez difficile d'accès. Tu rêvais pile au bon moment. On les trouve dans une zone assez élevée, située dans la partie nord de la forêt originelle. Ah oui, carrément. J'ai entendu dire que seules certaines personnes spéciales étaient autorisées à accéder à cet endroit. Mais c'est un détail, tu n'auras sûrement aucun problème à obtenir l'accès. Mille merci d'avoir accepté de m'aider, mon vieil ami. Il me semblerait que le futur de Gallipoli soit une fois de plus entre tes mains. D'accord. Et du coup, c'est un des... Ah ouais, c'est ça, c'est une des dernières que j'avais pas eu encore. Ah oui, c'est vrai que j'ai aussi ça, Morgante. Il faut que j'aille à la bibliothèque royale. Un veilleur qui adore l'air vous a demandé le cristal d'harmonie, pour cela vous devez trouver un Christ amphibien. Et un veilleur vous a demandé de trouver les quatre ouvrages rédigés par Tristan à Gallipolis, Niflheim, Nomen et à Heliodor. Ou non loin de ces villes. Ah, des bibliothèques. J'ai pas trouvé, du coup, à Gallipolis, on est censé en avoir un, typiquement. Je suis pas sûr d'avoir vu un livre de Tristan. Écrit de Tristan! Découvert un des enseignements de Tristan et appris le secret de l'attaque. D'accord. Youpi, un chapeau à plumes. Quelle joie. Par contre, du coup, j'ai toujours pas cette lettre, moi, là. De demander, c'est ça. Un journal, les progrès du prince Faris. Retourner à ses cours d'étiquette. Ouais, c'est le journal du sultan, en fait. Bon, on ne fera pas croire que ce palais, il n'y a que deux chambres, en fait. Si. On va pas y avoir une bibliothèque sur le balcon quand même. J'ai manqué une bibliothèque quelque part. Ben si.
Ben, c'est quoi? Non, quoi? Ben, si, non. Je fais quoi avec ça, moi? Ah, ben si, il n'y a que deux chambres. Oui, ben, il est bidon d'or pavé, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et non, t'as pas loupé de bibliothèque. Attends, je reprends le catalogue de quêtes. Retentez votre chance en inspectant les bibliothèques des maisons cossues de Gallopolis. Est-ce que t'es en train de me dire que j'ai inspecté toutes? Que j'ai bien inspecté toutes les bibliothèques de Gallopolis? C'est quoi ça? L'entrée des gradins. On est d'accord que là, il y a peu de chance quand même. Dans la seule maison de Gallopolis et demande aux habitants. Dans la seule maison de Gallopolis. Ceci n'est pas une maison que celui. Demande aux habitants. Ceci est un palais. Oui, ben, un palais, c'est un peu une maison. C'est la maison des rois. Ben, je sais pas, moi, tu me parles de la seule maison cossue de Gallopolis. C'est à ça que je pense, parce que sinon, elles se ressemblent un peu beaucoup, toutes. C'est l'auberge. Ça, j'ai pas pu entrer là-dedans. C'est fermé depuis l'autre côté.
pas de bibliothèque, madame. Tant qu'on est là. Ça va si on éteint la lumière? Oui, enfin, il y a un peu la lumière du jour quand même. Elles se ressemblent toutes les maisons de toute façon. Et si on se disait tant pis pour cette fois? Il y a quoi d'autre comme quête? Je cherche quoi? Une lettre dans une bibliothèque de Gallopolis. Une vraie maison vraiment cossue à l'intérieur. Bon, on va toutes les refaire. La bouffe. La bouffe. De toute façon, j'ai déjà... Ah oui, mais du coup, ils ont peut-être pas l'ouvrage, en fait. La bouffe. Là, c'est pas ouvert, de toute façon. Celle-là, ah, celle-là, elle est déjà mieux. Arboréa chercher un livre particulièrement rare. Ouf. Putain. Ouais, en plus, on a un bouchon itinérant, évidemment. Un bûcheron itinérant. Et un seul j'en ai essayé d'apporter lorsqu'il est parti. Il avait été si fasciné par son contenu que madame a accepté à contre cœur de se séparer du livre. C'était le seul moyen pour faire partir notre homme. Si le sommier, il a dit qu'il se rendait dans une cabane située dans la Malgrove. J'ignore en revanche s'il réside toujours là-bas. Putain, à tous les coups, ça va être un jeu de piste, quoi. Alors.